comme un grain de sable perdu, comme en galère, dans ce désert, entre ciel et terre, déposé par le vent au milieu de ses pères, mais le temps s'accélère. Viaje, empiece la suerte, decide adelante, libre como el aire. Vietnam, Costanza Italie, l'autiste France, Rhein Vietnam. Lueur éphémère, comme une étoile perdue dans cette misère, fruit du mystère, entre monts et mers, bercé par les courants, transporté dans les airs, et puis s'éteint la lumière. Viaje, empiece la suerte. Adelante, libre como el aire. After this week in Beijing, full of exchanges, discoveries and debates, we have several questions about the importance of food in our everyday life. More than just a way to feed ourselves, it shows our culture and its evolution. Can we act at local level for a global change? Let's visit an eco-place, a personal initiative with a strong will to find again a high quality of life and to share it with the others. A good way to rethink our priorities and ways of life. Jardin, il y a le monde entier, tout est mezclé, tout est mêlé. Dans mon jardin, des fruits chez per milliers, mais tout est ouvert, jardin. On fait un paillage de paille, de fougère, mais épais, au moins sur 15-20 cm. Hein. On remet la terre et toi, dessus et après, il n'y a plus à labourer. Voilà. Vous semez directement. Oh là là, ça rend la terre plus meuble. Voilà. Et il n'y a plus à labourer, oh, et même il n'y a plus à arroser. C'est... Tout est là. Voilà. Tout ce qui est culture intensive, de toute façon, la terre ne vit plus. Il n'y a plus de bactéries dedans. Et en fait, cette préparation permettait de réalimenter la terre. On choisit cette région près des montagnes parce qu'on aimait aussi les montagnes et que les montagnes apportent le calme contrairement à la mer. Et en fait, on cherchait un corps de ferme pour créer un centre qui accueillera justement les gens qui sont comme nous, on a été autrefois. Tellement à fond qu'ils ont un problème de santé.
bien sûr. C'est après qu'ils se disent, ah, si on avait su. Maintenant, là, ils voient la vie différemment. Mais il faut vraiment aller dans le mur pour se dire, mais la vie, c'est pas toujours le matériel, et puis être le leader. Let's share between generations. Can old ingredients and modern recipes be used together? C'est grave si c'est rouge là ou pas? Non, c'est bon comme ça. Oui, c'est bon. Oui. C'est délicieux. Ça va pour nous, ça va. Laisse-moi le faire. Tu coupes en deux. Là, tu vois. Ouais. Ah, voilà. Tu coupes, tu vois. Alors, si c'est un peu sucré. C'est pas ça, non? Vous voulez que je vous aide? Qu'est-ce qu'il y a de mes impostures? C'est tout ça veut faire quelque chose. Il ne faut pas trop généraliser. Et non. C'est quoi les cupcakes? Parce que moi, je ne connaissais pas avant. C'est ça. Vous connaissiez? Ana manja o bari, ana manja insing. Ana manja o bari peya prebirimbing. Ana manja o bari, ana manja insing. Ana manja o bari peya prebirimbing. Ana manja, manja o bari, ana manja e beure debi. Ana manja, manja o bari, ana manja e beure debi. Ana manja o bari, ana manja insing. Ana manja o bari peya prebirimbing. Ana manja o bari, ana manja insing. Ana manja o bari peya prebirimbing. Funé munde, de taule d'un pertou. Les taules souris d'onde et un fata à chasque bout. Et pour faire la fête, t'as pas besoin de housse. De ta manne racette, et jusqu'à mon pelousse. Repas de quartier. Cooking to eat? Okay. What if we also had fun? L'objectif c'est de créer ça. Mais en fait, il a. Flo, tu l'aurais dit qu'il fallait que tu m'aies parlé. Pas de paparazzi. On est tous ensemble, on s'amuse. En même temps, on s'amuse en même temps. Je les écris sur mon comptoir, entre un café et deux pressions. Je les écris de la main gauche, avec des journaux en sous-main, un stylo de pub très très moche et les bons mots de mes copains. C'est autour de la pompe à bière, collé comme des moucherons. Après 2, 10 ou 20 verres, la matière se met en fusion. Et de ce volcan je recueille de tout bien évidemment. Un tamis survole ma feuille, de la boue j'extrais les diamants. On a fait des araignées, des palmiers, à la cuisine avec de l'art. Sustainable consumption, we all agree about it. But is only our health that is at stake? Les viticulteurs nous ont dit, si on ne réfléchit pas sur le goût, si on ne travaille pas sur le goût,
dans 20 ans, nous ne pourrons plus vendre nos vins. Le goût fait partie de notre patrimoine. Et vous qui êtes dans les métiers du goût, je pense qu'il faut en avoir conscience de ça. Le goût d'une région détermine, si vous voulez, son économie en quelque sorte. En travaillant ses produits, on met en valeur le territoire. C'est pas simplement faire des choses bonnes, c'est aussi voir qu'on est dans un environnement. Maintenir le fromage d'estive, le fromage fait en montagne. Pourquoi ? Comment on passe de l'assiette au paysage ? Pour la première fois en France, le chiffre d'affaires de la restauration rapide a été supérieur au chiffre d'affaires des restaurants traditionnels. Aujourd'hui, dans l'alimentation qui nous est proposée, presque tout étant fait à base de maïs, nous avons un très grand déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6. Les antioxydants, c'est comme les polyphénols, si vous voulez, c'est important pour notre système circulatoire. Donc voilà pourquoi nous devons alors utiliser les épices, utiliser des aromates, etc. Dans toute la cuisine, on a perdu souvent l'habitude. On vous met du sel et on vous met du sucre. En fait, nous mangeons 3 fois par jour. Chaque fois que nous mangeons, ce que nous mettons dans notre assiette, c'est une sorte de vote. Ce que je mange influe sur l'agriculture, mais influe aussi sur les paysages que j'ai autour de moi. Je suis responsable, mais nous avons du pouvoir, hein, par nos choix. To buy healthy food and have a responsible behavior, don't we just have to trust the producers? Bienvenue à Ferme en Vie, un magasin de producteurs, démarche circuit court, le producteur au consommateur. Les produits appartiennent aux producteurs jusqu'au passage en caisse. Bien entendu, c'est du local. 85% des apporteurs sont sur un rayon de 50 à 60 km. Au fil des années, on s'aperçoit que pour continuer à vivre de l'exploitation agricole, il faut toujours être plus grand, plus gros, produire toujours plus. Parce que la marge diminuant, il faut faire plus, plus, plus. Et nous, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Nous, on a une production, on essaye de la valoriser à travers le magasin, de parler de notre métier, de qui on est, comment on travaille. On mesure à quel point le fossé s'était creusé entre le consommateur et le producteur. Vous parlez de qualité. Il y a des légumes, des fruits qui poussent, qui n'ont pas forcément la bonne forme. Ici, vous les vendez ou pas ? Un légume, en général, quand c'est pas joli, ça se périme vite. En fruits, on fait des fruits compotes, des pommes compotes, des confitures, par exemple. Ou on fait des jus, par exemple, aussi. Est-ce que vous avez l'impression de vous adresser à tout le monde ? On touche toutes les catégories d'âge. Et ça, c'est assez réconfortant. Ça prouve quand même que même vous, les jeunes, vous aimez le bon goût, le bien manger et aussi une certaine assurance de savoir d'où ça vient. Et on se rend compte que les gens, eh bien, quand ils viennent ici, ils viennent chercher bien sûr de la qualité, ils viennent chercher aussi des prix corrects, ils viennent surtout se rassurer, venir chercher des produits bons et ils savent d'où ils viennent. Et s'ils ont des questions, eh bien, ils ont les producteurs qui sont présents sur le magasin. On a essayé de mettre en place un état d'esprit, Ferme en Vie, et je crois que pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal.